Marc Langevin, monsieur le directeur, je crois que c'est la case de madame Parler, donc vont nous lire un poème. Voilà, contre la guerre, bien sûr. Pays, partout dans notre beau département, il y a des manifestations pour exprimer le soutien au peuple ukrainien, mais aussi pour exprimer notre volonté que la guerre s'arrête, et c'est ça qui est plus important. Et au-delà de notre diversité, c'est le chemin de la paix que nous retrouvons ici, sur cette belle place de la ville d'Orna. Et donc il faut continuer notre rassemblement, parce que la voix de la paix doit être plus forte que celle de la guerre. C'est ce que nous voulons, parce qu'il y a des drames, il y a des familles qui doivent partir, il y a des familles qui se terrent dans des caves, il y a des familles avec des enfants qui pleurent, il y a des familles qui n'ont plus de perspective d'avenir. Et c'est pour ces familles-là que nous devons être forts, être rassemblés, pour dire non à la guerre, oui à la paix. Merci. Je viens d'Ukraine. J'arrivais en France en 2016. Et malheureusement, maintenant, ça se passe des trucs graves dans mon pays. Je ne sais pas trop grave. Merci d'être venu, de soutenir mon peuple, parce que c'est vraiment dur à ce moment-là. Ma mère, il y a deux jours, elle est là. Voilà. Ma mère et ma petite soeur, je suis un peu plus assuré. Et j'espère que ça va finir bientôt cette guerre de. Très méchant. Voilà. Merci encore une fois d'être venu. Merci à vous. Hard to do, nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, I am not the only one. I hope someday you'll join us and the world.